Donc, nous allons parler aujourd'hui de Malik Ben Nabi, qui est surnommé dans les pays musulmans et arabes le penseur de la civilisation. Pourquoi? Parce que la civilisation, c'est l'objet d'étude de Malik Ben Nabi. C'est la problématique qu'il a choisie, à laquelle il a choisi de consacrer pratiquement toute sa vie. Donc, pourquoi la civilisation? Parce que dans notre sphère culturelle, disons, nous considérons que nous sommes sortis de la civilisation d'une certaine manière, ce que Malik Ben Nabi appelle la position post-civilisation. Et comment il définit cette civilisation? Eh bien, tout simplement, c'est l'ensemble des conditions morales et matérielles qui permettent à une société d'assurer à chacun de ses individus les conditions de son développement. Donc, on voit que Malik Ben Nabi nous propose une définition qui est centrée sur l'humain et sur les besoins de l'humain. Donc, on va partir de là. Malik Ben Nabi a pour objectif donc d'orienter la nation, d'orienter les sociétés musulmanes, arabes, africaines vers la civilisation. Et pour ça, donc, il va construire une œuvre et une pensée plutôt prescriptive, c'est-à-dire que donc, c'est là où il y a eu beaucoup de chocs et comment dire, de non-acceptation, d'opposition, parce que c'est toujours délicat de dire aux sociétés et aux nations comment elles doivent faire pour accéder à un état particulier. Donc, nous avons affaire, à mon avis, en tout cas, à une pensée très prescriptive et qui a une ossature, si vous voulez, qu'on peut appeler la théorie des deux mondes chez Malik Ben Nabi. Donc, d'une part, le monde des idées et d'autre part, le monde des objets. Donc, pour lui, on accède à la civilisation si on fait triompher le monde des idées sur les objets. Je vais expliquer un peu plus. Malik Ben Nabi pense que l'homme du Sud ou l'homme sous-développé, quand il voit sa relation avec la civilisation occidentale, il est conscient de la distance qui le sépare de cette civilisation sur le plan géographique, sur le plan culturel, sur le plan intellectuel, sur le plan matériel, sur le plan économique, etc. Donc il ressent une distance qui va créer en lui un complexe. Et si jamais il essaye de combler ce complexe par le monde des choses, c'est-à-dire en essayant d'acheter des choses, en achetant des grues, en achetant des livres, en achetant des télévisions, en construisant des buildings, etc., à l'occidental, donc là, si vous voulez, il rate l'occasion d'utiliser ce complexe et la douleur que provoque ce complexe afin de créer un monde des idées propre à lui et à partir de là, créer une civilisation qui est propre à lui. Il donne un exemple de l'Allemagne qui a été détruite, Berlin du moins, qui a été détruite après la Deuxième Guerre mondiale. Donc il nous dit que Berlin complètement détruite, donc il n'y a plus de monde des choses, mais grâce à la vitalité et à un système d'idées qui est resté plus ou moins intact, ils ont pu reconstruire rapidement. La même chose s'est passée au Japon. C'est ce que nous dit Ben Nabi en tout cas. Dans les pays sous-développés où on a acquis malheureusement une culture de l'accumulation, c'est-à-dire acheter un maximum d'objets, importer un maximum d'objets, avoir plusieurs smartphones, etc., avoir des télés, avoir, en tout cas, on connaît tous les produits de la civilisation occidentale. À partir du moment où on va se ruer vers ces objets-là, donc on perd l'occasion de construire un monde des idées. Et plus grave encore, lorsque le monde des idées n'est pas construit, le monde des objets va se détériorer. Et ça, je peux vous dire que chez nous, par exemple, en Algérie, on le vit. On construit de très beaux stades, mais il n'y a pas de bons joueurs, par exemple. Très peu, en tout cas, dans le championnat national. C'est juste pour donner un exemple. On construit des universités, mais on ne publie pas assez de livres. On ne produit pas assez d'idées. Parce que Malik Ben Nabi considère que
la production des idées est le seul moyen de sortir du sous-développement. Et plus une nation est consciente que c'est à travers les idées qu'elle peut sortir du sous-développement et de ses problèmes civilisationnels, et plus elle pourra s'en sortir. Voilà donc globalement la pensée de Melnabi. J'ai choisi pour cette séance un texte, il est vrai, assez clivant, qui crée vraiment une dichotomie, une séparation très radicale entre le Sud et le Nord, si on veut, entre la civilisation musulmane et la civilisation occidentale. Mais Malik Benhabi apporte beaucoup de nuances, donc je tiens à le dire par rapport à ça. Il dit clairement que dans ce livre qui s'appelle Le problème de la culture, il dit clairement que il y a incontestablement dans les deux cultures du beau et du vrai. Hein? Je fais référence au texte que vous avez peut-être lu. Le génie de l'une est axé essentiellement sur l'esthétique. Celui de l'autre sur l'éthique. Parce que le texte que nous allons lire ensemble nous explique que, en Orient en général, lorsqu'on veut remplir le vide cosmique, on le fait à travers la spiritualité, à travers une vision éthique des choses. Et de l'autre côté, dans la civilisation occidentale, lorsqu'on veut remplir le vide cosmique, le sentiment de vide, on le fait à travers la technique et. Il va un peu plus loin en disant que la Grèce, est à mi-chemin entre l'Orient et l'Occident. Parce que la Grèce a synthétisé un peu l'idée des formes et du beau. Et le beau a fini par être équivalent, en Grèce en tout cas, à l'idée du bien. Donc, ce qui a donné par la suite, là peut-être que ça se complique un peu. Ce qui a donné par la suite que l'Europe a synthétisé la technique et l'esthétique, donc c'est ça les choses les plus importantes pour l'Europe, sans exclure totalement l'idée du vrai, l'idée du bien, bien sûr, tandis que le monde musulman a synthétisé principalement l'idée du bien et du vrai. Voilà donc pour cette présentation. Et ben merci Bachir pour ta présentation très claire. Hein. Peut-être que vous avez des questions par rapport à ce qu'a dit Bachir. Alors, Antoine, oui, tu as une question, Antoine? Je voulais savoir, donc, parce que j'ai pas trop, je ne connais pas Malik Benhabi, mais j'en ai lu juste un petit peu. Il a vécu de quelle période à quelle période? Alors, il est né en 1905 et décédé en 1973. D'accord. Non, parce que tu donnais des exemples d'objets qui sont plutôt liés à aujourd'hui. Ça, c'était mes exemples à moi. D'accord. Mais lui-même, par exemple, si je peux répondre rapidement, lui-même, pour la question de l'accumulation, il est passé par une faculté ici à Alger où on enseigne la médecine. Il a trouvé un surplus de fauteuils pour les dentistes qui étaient dans une cour et couverts par une bâche. Donc pour lui, c'était l'exemple d'accumulation sans les idées. Ok, donc c'est déjà à son époque qu'il a pu connaître ça, même s'il est mort en 1973. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Cédric? Oui, Bachir, au début de ton exposé, tu as parlé, si j'ai bien entendu, de post-civilisation. Et ensuite, tu as évoqué le fait que c'était un objectif pour cet auteur, ce philosophe, de sortir, pardon, d'orienter la nation vers la civilisation. Or, moi, quand j'entends la phrase orienter la nation vers la civilisation, j'entends par là qu'il y en aurait une nation sans civilisation et qui irait vers une civilisation. Donc, du coup, je ne comprends pas trop le lien entre post-civilisation et cette idée. Parce que pour moi, post-civilisation, c'est ce qui viendrait après. Enfin, c'est ce qui est après la Alors, essaie de civilisation. reformuler ta question. J'ai du mal à la formuler parce que justement, Je t'en je mets le doigt sur prie. quelque chose qui n'est pas du tout clair pour moi. C'est pas clair. Alors, post-civilisation, civilisation, c'est pas clair. Effectivement, la post-civilisation,
Ce que je comprends par ce terme, c'est l'idée d'une civilisation, de quelque chose qui vient après la civilisation et donc qui ne serait plus une civilisation, qui serait autre chose. Et en même temps, tu as dit que l'auteur avait pour objectif d'orienter la nation vers la civilisation. Donc, il y aurait une Oui. civilisation après, il y aurait une absence de civilisation après, c'est, je comprends. Alors, on va laisser Bachir du coup répondre à cette affaire de post-civilisation. Civilisation, vas-y Bachir. En fait, bon, ce qui expliquerait le mieux, je pense, cette difficulté, c'est Malgnabi considère que la civilisation est un cycle qui commence par l'âme, une idée forte comme la chrétienté ou l'islam ou le bouddhisme, etc. Une idée forte qui pourra stimuler un maximum de gens. Ensuite, le stade de la raison et ensuite le stade de l'instinct. Où les instincts vont être très prégnants. Et donc par rapport à ça, la post-civilisation, c'est une sortie de la civilisation, ou ce qu'il appelle encore une sortie de l'histoire, dans laquelle donc on va garder des résidus de la civilisation ancienne, on va garder quelques bonnes choses, mais on va accumuler aussi de très très mauvaises choses. Et il l'explique lui-même par ce qu'il appelle les idées mortes, donc dans la post-civilisation. Le stade de post-civilisation, nous avons les idées mortes, les idées mortelles et les idées vivantes. Donc le rapport entre ces trois, si on peut parler de quantité, entre ces trois types d'idées, va faire la différence pour renouer avec la civilisation, mais c'est pas exactement ce n'est pas exactement la même qu'on a quittée. C'est pour ça que Malgnabi parle de trouver la vocation. Retrouver une vocation dans le monde actuel qui n'est ni celle à son époque, ni celle de l'URSS, ni celle des États-Unis, ni celle de l'Occident, mais créer à partir de nos racines, créer une nouvelle voie et essayer de la réaliser. D'accord. On va reprendre nos méthodes de pratique philo, hein, qu'on va adapter à cette discussion. Et donc, on va demander à quelqu'un, est-ce que quelqu'un pourrait résumer en une phrase qu'il a compris de ce qu'a dit Bachir? Donc, Bachir, il acceptera que ça soit synthétisé, que vous n'ayez pas tout dit, hein, mais ça serait quoi l'essentiel du propos de Bachir? Et Béatrice? Ah, Béatrice, on ne t'entend pas. Bon, il faut que tu règles ton micro. Alors, qui d'autre pourrait résumer en faisant une petite synthèse de ce qu'a dit? Vas-y, Antoine. J'ai compris que ce que Bachir a expliqué, que la civilisation, selon Benabi, se fait en trois phases. Au début, c'est l'âme, et puis les idées. Et donc, c'est comme ça que la civilisation se crée, et qu'à un moment donné, il y a une réversion, et c'est là où est le concept de on perd cette civilisation. Et la problématique est de voir comment retrouver en fait cette civilisation ou une civilisation partant avec des choses qui ont pu mal se passer. Ça va, si on reprend en gros, est-ce qu'il y a comme un contresens par rapport à ce que tu as dit, Bachir? Non, c'est bon? Ok, d'accord. Donc, merci Antoine pour ta synthèse. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Bachir? Il me semble que tu levais la main, Laïla, oui. Oui. Est-ce que je pourrais avoir des précisions sur la notion de vide cosmique et peut-être la différence entre vide et est-ce qu'il y a une différence entre le mot vide et l'expression vide cosmique? Alors là, du coup, tu fais référence au texte. Oui, moi je fais référence au texte, Voilà. non? Peut-être là, c'était des questions plus générales sur la philosophie qui nous est de Benabi, qui a été présentée par Bachir. Mais après, on va rentrer plus précisément dans le texte et on reprendra ta question sur le vide cosmique. Est-ce qu'il y a des questions plus générales, Antoine? Oui, moi j'avais juste une question. Est-ce que Benabi fait référence par exemple à la civilisation musulmane en Andalousie
avec tout son développement spirituel. Et le, si je prends des pays comme le Maroc, où, puisque le Maroc a des liens très très forts avec l'Andalousie, est-ce que il fait référence au fait que de cette civilisation très élevée de l'Andalouse, il y a eu la chute et que le Maroc, par exemple, a eu du mal à refaire cette civilisation qui était à un niveau extraordinaire. Est-ce qu'il y a un lien avec ça ou... Bachir, oui. Je ne me souviens pas qu'il ait spécifiquement parlé de l'Andalousie. Je ne me souviens pas de ça. Mais bon, je m'en souviens pas, franchement. Ok, D'accord. voilà. Je ne fais pas un travail d'historien non plus. C'est Voilà, bon. hein, mais merci Bachir de ne pas dire des choses que tu ne sais pas, et quand tu ne sais pas, de dire que tu ne sais pas. Ça, c'est un principe de base de la pratique philo, ce que ne fait pas tout le monde, hein, parce que les non-praticiens philosophes, ils auraient fait un baratin pour noyer le poisson. Mais voilà. Ok, mais Nathalie, est-ce que tu as une question? Oui, en fait, Bachir, au départ, tu as dit que il avait une philosophie prescriptive ou voilà. Et je voulais savoir, en fait, est-ce que justement, il laisse la part comment dire, de construction collective de cette nouvelle civilisation, ou est-ce que en fait, il a déjà tout réfléchi et comment il se positionne Okay. C'est une très bonne question. Justement, vous savez, quand on veut, certains partisans de Malik Ben Nabi, quand ils veulent dire du bien de Malik Ben Nabi, ils présentent sa pensée comme elle est réglée comme la physique. Parce qu'à la base, c'est un technicien, il a fait de l'électronique, etc. Donc, il a une pensée assez technique. Mais je pense que si c'est le cas, c'est vraiment un défaut. On ne peut pas. Et moi, à mon avis, à mon humble avis par rapport à la pensée de Malik Ben Nabi, je pense qu'il va trop dans ça, justement. Il a trop cette manière de dire que A plus B est égal à C. Et donc, c'est pour ça que je dis qu'il est très prescriptif. D'accord. Ouais. Autrement dit, il ne fait pas assez confiance peut-être à ce qui pourrait venir aussi du peuple, quoi. C'est ça? Possible. Ouais. Ok. D'accord. Alors, du coup, moi aussi, j'ai une question. Est-ce que c'est un penseur influent aujourd'hui en Algérie ou... Énormément dans le Ah monde musulman. oui. On ne cesse de le traduire, on ne cesse de le publier, republier encore et encore. Oui. C'est un véritable phénomène depuis déjà les années 70 et même D'accord. avant. Ouais. Et plus particulièrement en Algérie ou au Maroc et en Tunisie aussi? En Syrie, au Maroc, j'ai entendu que certains en parlaient, mais je ne sais pas quelle est l'ampleur. Ils ont, parce qu'ils ont un certain Taha Abderrahmane, c'est ça? Qui fait un peu le même travail de Malik Ben Nabi. Ils ont un certain Jabiri aussi qui fait le même travail que Ben Nabi. Hein? Donc, mais je ne saurais pas quantifier, mais il a une C'est un influence sur penseur tous les pays influent. musulmans. Ouais. Très Ok. influent, oui. D'accord, merci. Oui, ben c'est vrai qu'on en parle. Je ne sais pas qui le connaissait, ce penseur. Levez la main, personne. Hein. Ah, ben Anan, oui. Mais voilà. Mais ce n'est pas un penseur dont on parle, malheureusement, chez nous, quoi. Comme disait je ne sais plus qui tout à l'heure, c'est très auto-centré, nous, notre apprentissage sur la culture européenne, quoi. Hein. Ok. Alors, ben maintenant, peut-être on peut prendre le texte. Alors, bon, qui n'a pas lu le texte? Donc, tout le monde. Non. Ah, bon, alors on va prendre un temps pour le lire. Et puis, moi, j'ai proposé des questions tout en bas du texte. Alors, soit vous avez d'autres questions que vous pouvez noter, soit en lisant les questions que j'ai mises en bas du texte, ben, vous dites, tiens, c'est celle-là qu'il faudrait, par laquelle il faudrait qu'on commence. Donc, je vous laisse un petit peu de temps pour lire et pour choisir une question.
Et les personnes qui n'avaient pas eu le temps de le lire, est-ce que vous avez eu le temps de le lire? Il est un peu long. Oui, c'est bon, Nathalie. Ok. On démarre alors, à moins qu'il n'y ait pas besoin de temps encore. Hein? Ok. Alors, ben, est-ce que quelqu'un voudrait proposer une question pour commencer notre réflexion? Est-ce qu'il y a une question qui vous semble prioritaire? Anan? Oui, ce serait surtout pour rebondir sur enfin, pour la question de Nathalie, sur le vide cosmique, donc la première, Okay. déjà pour comprendre le sens du vide et du vide cosmique. Ça vous va de partir là-dessus? Est-ce que quelqu'un s'oppose? Non, pas d'opposition. Alors, on démarre là-dessus. Donc, pourquoi il ressent un vide cosmique? Et puis, on peut se demander aussi qu'est-ce que c'est, hein? C'est quoi ce vide cosmique que l'homme ressent? Alors. Donc, je vous écoute à vos hypothèses. On se lance pour des hypothèses, même si ça n'est jamais la vérité absolue, on est d'accord? Vas-y, Gaëlle. Ben, l'homme ressent un vide cosmique parce qu'il est mortel et que il doit se confronter à sa propre disparition et même à la disparition de l'espèce à laquelle il appartient qui est pas éternelle. D'accord. Hein, donc ce vide serait constitué de sa, enfin lié à sa disparition en tant qu'humain et en tant qu'espèce. Oui, ça vous va? Personne ni espèce. D'accord. Parce qu'il y a des personnes qui sont pas d'accord avec Gaël. C'est pas du tout ça le vide cosmique. Bon, apparemment. Et c'est des personnes qui voudraient compléter ce que dit Gaël. Oui, Cédric? Ce qu'on appelle vide, généralement, c'est l'endroit où il manque quelque chose qui était là auparavant. Le vide, c'est donc, comme le disait Gaëlle, la disparition de quelque chose. Elle parlait de notre propre disparition. Mais si on ressent un vide, c'est à mon avis parce qu'il nous manque quelque chose. C'est pas seulement l'absence de quelque chose, mais le sentiment du vide, c'est le fait de ressentir un manque par rapport à ce qui est absent. Ok, hein, donc à la fois conscience de la disparition, mais en même temps, dans la vie que vit l'être humain, il y a la sensation, sentiment d'un manque, c'est ça ce que tu dis, Cédric? Oui, donc l'homme serait habité par un manque qu'on pourrait appeler cette espèce de vide cosmique. Alors, je vois qu'il y a des mains qui se lèvent, je n'ai pas posé de questions, vous connaissez tous la règle, normalement il faut attendre que j'ai posé une question. Hein. Je vais essayer de tenir la règle un petit peu, je vais craquer, mais... Alors, eh ben, est-ce qu'il y a des personnes pas d'accord avec ces hypothèses qui... Non. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont d'autres hypothèses? Antoine? Moi, je fais la remarque, c'est qu'il parle de vide cosmique quand la personne est isolée. Alors, quand la personne est... L'instinct d'être mortel, c'est permanent. Alors que moi, je ressens que ça me fait penser au texte des pensées de Pascal qui dit que... S'il y a quelque chose qu'on n'arrive pas en fait à tenir, c'est de rester dans sa chambre et d'être isolé parce qu'il y a un vide. Quand on se retrouve isolé, ben on n'a plus de repères, on n'a pas les objets, on n'a pas la possibilité de partager et on se sent D'accord, donc ce que tu perdu. dis, est-ce que ça donne la situation dans laquelle on ressent le manque dont parlait Cédric, c'est-à-dire que cette situation où on ressent ce manque, c'est plutôt la solitude, c'est ça? C'est ça, c'est dans ce concept-là qu'il est Ce indiqué. vide, voilà, et puis c'est ce dont tu parles, il parle d'expérience de solitude. Donc ce vide cosmique, on le ressent plus particulièrement dans la solitude où on est habité par un manque. Ok. Autre chose. Et peut-être. Pourquoi est-ce qu'on le ressent plus particulièrement dans la solitude que dans d'autres situations? Si on reste sur la piste d'Antoine.
Pourquoi quand on est seul, ce vide est plus oppressant? Enfin, en tout cas, on le ressent davantage. Nathalie? Mais peut-être parce que on n'est pas actif ou on est désœuvré en fait, que c'est quand on est dans l'action, on n'y pense pas parce que en fait on se remplit les idées de ce qu'on fait. Ça, hein, donc c'est pour ça qu'Antoine citait peut-être Pascal aussi. Hein. Ok, donc le vide cosmique, cette expérience humaine, on l'a fait plutôt dans la solitude et dans un moment d'inoccupation. Hein. Ok, et cette épreuve du manque. Autre chose pour définir le vide cosmique, est-ce qu'il y a des personnes qui avaient d'autres idées? Ok, donc on aurait défini. Le vide cosmique. Est-ce que tu penses qu'on commet des contresens par rapport à Malek Benhabi, Bachir, quand on l'a défini comme ça? Je pense que les idées qui ont été proposées sont très intéressantes. Ok, donc ça peut. Voilà. Ensuite, on n'a pas la prétention de devenir des spécialistes de Malek Benhabi, mais voilà, on pense à partir de là. Ok. Donc, on a défini. Ça te va, Leïla, cette définition? Non, pas vraiment, parce que je ne crois pas que la solitude soit en lien avec l'absence d'une activité, parce que peut-être qu'il s'agit d'un sentiment de... Je vais introduire un autre mot, d'une solitude existentielle. Du coup, elle n'a rien à voir avec la présence de personnes ou pas, la présence d'activité, l'absence d'activité ou pas. Et j'aurais peut-être plus tendance à rejoindre l'idée de Cédric par rapport à cette notion de manque, mais le manque par rapport peut-être à une condition qui était antérieure avant l'arrivée dans ce monde. Peut-être, éventuellement, ça serait plutôt ça, la sensation de... En tout cas, c'est comme ça que j'imagine le vide cosmique, pas par rapport à quelque chose de palpable, de matériel, de lié directement à une activité ou encore à la présence de personnes, mais plutôt dans le sens peut-être d'une condition humaine, quelque chose que je lirais plutôt, je vais le dire, à l'âme, qui était qui a vécu une autre condition et que la venue sur Terre lui fait sentir le manque par rapport à une condition antérieure dans laquelle elle aurait été éventuellement et qui fait qu'il y a le sentiment de solitude et donc le vide cosmique. Ah, Puisque le texte, alors il lit... on va voir si on t'a suivi déjà. Hein. Tu as une prise de parole un petit peu longue, alors moi j'aime bien qu'on fasse des synthèses dans ce cas-là. Qui pourrait synthétiser ce qu'a dit Laïla? Béatrice? Est-ce que vous m'entendez? Oui, cette fois-ci ça Oui. marche, oui. Laïla nous dit que le manque dont parlait Cédric, c'est le manque d'une condition antérieure, avant la naissance. C'est ça, si on résume. Voilà, avant la naissance. Oui, parce que tout à l'heure, on a dit cette expérience du manque. Alors, on a mis l'hypothèse qu'on pouvait la faire dans l'inaction et la solitude. Bon, là, il n'a pas l'air d'être d'accord avec ça. Mais en fait, le manque de quoi, on n'a pas précisé tout à l'heure. Hein? Manque de quoi? Alors, toi, tu disais manque par rapport peut-être à une vie antérieure. Hein? Mais manque de quoi? Est-ce que vous voyez d'autres manques? Antoine? Je fais référence à ce que disait Bachir, c'est que on se positionne dans la post-civilisation, et donc le vide cosmique, c'est d'avoir perdu cette civilisation qu'on avait. Alors, est-ce que c'est ça? C'est la nostalgie d'une civilisation disparue? Alors, parce que Ayla disait une sorte de nostalgie d'une vie antérieure, et toi, c'est pas une vie antérieure, c'est plutôt une civilisation antérieure. Je fais la liaison avec ce que disait Bachir, puisqu'il a parlé de post. Alors, est-ce que vous êtes d'accord ou est-ce que quelqu'un n'est pas d'accord avec ces deux propositions? Donc, Ayla, ce serait plutôt le manque d'une
d'une vie antérieure, et puis Antoine manque par rapport à une civilisation antérieure, ce serait ça ce vide cosmique, ou est-ce qu'il y a une personne pas d'accord avec ces propositions? Qui ose n'être pas d'accord, non? Ah, Cédric, oui. Oui, j'exprime un doute en fait à cause de cet adjectif de cosmique qui me fait penser que cosmique, je n'arrive pas à l'associer ni avec la notion de civilisation, ni avec la notion de vie intérieure. Donc je ne comprends pas ce que cet adjectif cosmique ajoute à la notion de vide. Okay. Un vide, oui, parce qu'il aurait pu dire un vide tout court, il a dit un vide cosmique. Hein, donc, si c'est un vide cosmique, c'est pas lié à une civilisation antérieure. Ok. Est-ce que Ah. je peux juste, Vas-y, mais. juste par rapport à quelque chose, parce que j'ai vu que le texte était traduit. Donc, le mot à l'origine qui a été traduit par cosmique, est-ce qu'il a la même signification qu'en français? Parce que nous, en français, ça vient du grec. On sait que cosmos, ça veut dire à la fois le monde, mais ça veut dire aussi l'ordre harmonieux, ça veut dire l'ornementation. Est-ce qu'il y a aussi, enfin voilà, quelles sont les significations de ce mot? En français courant, le monde, ça peut être aussi l'ensemble des gens. Donc, que signifie ce mot cosmique? Voilà, le mot qui a été traduit, qu'est-ce qu'il signifie à l'origine? Ça Oui, me alors manque. comment il se dit en arabe ce mot? Alors, je ne sais pas pourquoi tu dis qu'il a été traduit, Oui, parce Cédric. qu'il est écrit en français. Parce que Malek Ben Nabi, en fait, est francophone à la base. Ce n'est qu'après ses 50 ans, je crois, si je me souviens bien, ou 40 ans, qu'il a commencé à apprendre l'arabe. Ah oui. Donc, tous ses premiers écrits ont été écrits en français. D'accord. Ok. Donc Mais voilà. bon. Pas de traduction. Ok. Très bien. Donc il est baigné dans la culture occidentale du coup. Ouais. Exactement. Francophone. Si je peux répondre à Oui. Vas-y. Oui. Cosmique, pour lui, ça veut dire tout simple. D'abord, c'était à l'époque, c'était un peu à la mode d'utiliser des mots de l'espace, etc. Et cosmique veut dire tout simplement l'univers. Ok. Donc, on se ressent un vide par rapport à l'univers qui nous entoure. Voilà, tout simplement. Oui, encore, c'est encore une autre interprétation, c'est-à-dire l'homme est plongé dans un vide, le vide du cosmos, quoi. C'est ça, on peut le comprendre comme ça aussi. Le vide cosmique, c'est la sensation d'être pris dans un univers gigantesque où on n'est pas grand-chose. D'ailleurs, pardon, d'ailleurs, je peux. Oui, vas-y, oui. D'ailleurs, le vide cosmique, c'est un concept de l'astrophysique. Il existe réellement des vides cosmiques entre les galaxies, etc. Donc, finalement, c'est une métaphore. Ok, d'accord. Alors, ça nous fait voir les choses sous un tout autre angle. Hein. Jusqu'ici, on l'a interprété plutôt comme un manque, mais finalement, c'est tout simplement le vide dans lequel l'homme se trouve plongé, le vide physique, le vide. Ok, d'accord. Et tu penses que ça serait peut-être l'interprétation la plus fidèle à Ben Abi? Oui, ok. D'accord, bon ben voilà, hein, on a répondu qu'est-ce que c'est. Et alors, parce que pourquoi il le ressent, du coup, oui, ma question, elle avait un présupposé, c'est que c'est quelque chose qui, voilà, qu'il ressent comme une souffrance. Hein. Ok. Oui, parce qu'il se sent assailli. Hein. D'accord. Donc, une sorte d'angoisse d'être perdu dans l'univers. Ok, bon, est-ce qu'on a répondu à la question? Qui pense qu'il y avait d'autres choses à dire là-dessus? Non? Alors, bah, partons sur une autre question. Est-ce que quelqu'un propose une autre question? Antoine? Moi, je me sens intéressé par la question qui était, peut-on isoler une culture purement technique sans une quête de sens et inversement une culture purement métaphysique sans une dimension matérielle? Voilà. Parce que le texte semble faire une opposition. Voilà. Alors, bon, ben, ça vous va comme question? Ou est-ce qu'il y a des personnes qui voient un problème dans cette question, qui ne sont pas d'accord pour répondre à celle-là? Bon. Alors, ouais.
Est-ce que vous avez des questions pas simples, hein, donc, si vous avez des hypothèses de réponse. Oui, Nathalie? J'ai pas bien compris, en fait, c'est pourquoi il y a une opposition, c'est ça la question? La question, Antoine? c'est la question numéro 3, là. Peut-on isoler Ah, une attends. culture purement technique sans une quête de sens et inversement une culture purement métaphysique sans dimension matérielle? Ce qu'il a l'air de faire. Alors évidemment, la question la présuppose qu'il les oppose, hein. Est-ce que vous êtes d'accord avec le présupposé ou pas? Oui, si vous êtes d'accord, ben juste est-ce que vous pouvez relire un passage où on vérifie en effet ce présupposé? Et Gaëlle? L'un peuplera sa solitude de choses, son regard dominateur veut posséder, l'autre peuplera sa solitude d'idées, son regard interrogateur et en quête de vérité. Ainsi naissent deux types de culture, une culture d'empire aux racines techniques et une culture de civilisation aux racines éthiques et métaphysiques. On voit bien l'opposition entre les deux cultures. OK. Alors maintenant, est-ce que cette distinction, bah autrement dit, est-ce qu'elle vous semble avoir du sens, être pertinente ou est-ce qu'elle vous semble problématique? Nathalie se lance. Vas-y, Nathalie. Ben, en fait, je dirais que je vois pas vrai, enfin, ce serait pas une réelle opposition, mais c'est ce qu'on privilégierait, en fait. Parce que si, en premier, on met le sens, il va bien falloir quand même voir comment on fait pour matériellement pour aboutir à ce sens. Et si dans l'autre sens, on met d'abord le matériel en premier, enfin les objets et tout ça. Donc à ce moment-là, le sens est secondaire et en fait n'est pas important. Mais enfin, c'est qu'est-ce qu'on met en premier, qu'est-ce qu'on privilégie? Donc toi, tu dirais que c'est une question de privilégier un aspect ou un autre, mais il n'y en a pas un qui disparaît au détriment d'un Ben autre. non, ça c'est obligatoire qu'il y ait, oui. Mais est-ce qu'on pourrait être purement technicien sans qu'il y ait de sens, en fait? Purement tourné sur les objets sans qu'il y ait aucun sens? C'est le sens d'utiliser la technique. Sens du, le sens le plus réduit qui ça, c'est on a des objets techniques, on les utilise. Voilà. Ce serait le sens le plus réduit qu'on peut avoir. On a des smartphones, ben on les utilise, quoi. Hein? C'est ça. OK. Donc, ben voilà, vous êtes d'accord ou pas avec Nathalie. Donc, ce serait plutôt une question de priorité. L'un ne peut pas se passer de l'autre, mais il y en a un qui va axer davantage sur les objets, puis un autre davantage sur la métaphysique. Bon. Antoine? Je pense qu'on a eu une évolution, c'est-à-dire que dans les civilisations antérieures, l'aspect humain, l'aspect collectif, les valeurs humaines, était prépondérante pour des raisons de survie, de soutien, et que donc tout ce que l'on développait avait un sens humain. Toute la technique qui a été mise en œuvre les années passées, c'était ça. Et puis, l'attrait du fric a tout pollué, quoi, en Occident. Oui, C'est-à-dire alors parce que... que tu as introduit un autre concept qu'il utilise dans son texte aussi, c'est l'humanisme, hein, ou Oui, le côté humain. Hein, donc c'est ça. il y aurait trois dimensions. Il y a une dimension humaine et sociale, là, comme tu as dit, c'est-à-dire de l'entraide, et il y a Oui. la dimension technique.
Et puis ensuite, il y a la dimension métaphysique. Oui. Hein? Et malheureusement, on le voit surtout actuellement, hein, depuis quelques années, depuis peut-être une quarantaine d'années, dans le monde occidental, l'appétence au fric, c'est-à-dire aux bases, la société capitaliste a complètement retiré ses valeurs humanistes pour ne s'intéresser qu'à l'objet et faire du fric avec, quoi. Et donc là, on tombe dans... Donc c'est Il n'y le a plus, il y a plus de sens, quoi. donc Il n'y a plus de sens humain, il n'y a plus de... la démesure liée au capitalisme, alors c'est ça Oui, qui c'est ça. fait qu'il n'y a plus de sens humain et qu'il n'y a plus non plus de métaphysique et de spiritualité. Oui, Ça. et là, on voit les problématiques quand même de la civilisation actuelle en Donc Occident, là, où les gens souffrent, quoi. ça donne raison à ce qu'il dit, hein, et une sorte de culture purement technique. Et en plus, il est mort en 1973, donc si vous voyez ce qui se passe aujourd'hui, peut-être si ça ne fait pas. Il a vu cette Voilà. transformation dans le monde occidental, puisqu'il a surtout vécu au Oui. début OK. Et en Occident, hein. puis, ah, Il avait voilà. 50 ans quand il est reparti, je crois, en Algérie, non? Alors. Bon, bah, du coup, il y a une sorte de démesure comme ça du monde technique lié au capitalisme et une perdition des dimensions spirituelles et métaphysiques en Occident. Est-ce qu'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec ça? Gaëlle? Opposer la technique au sens, c'est pas toujours vrai. Je pensais à la recherche médicale, typiquement, et notamment toutes celles qui visent à compenser les handicaps. C'est des recherches qui sont motivées par une. Alors, il peut y avoir un aspect financier, évidemment, puisqu'il faut des levées de fonds, mais il y a quand même une motivation forte de type entraide quand on se met en place. Une recherche pour permettre à des personnes qui sont aveugles de naissance de voir, il y a bien un souci d'entraide et de sens derrière. Bon, donc technique et humanisme ne sont pas nécessairement dissociés. La technique, ce n'est pas juste des bombes nucléaires, quoi. Ça peut être aussi au service du développement de l'humanité. Oui. Bon. Alors, ben maintenant, alors du coup, où est le problème alors? Parce que ce que dit... Benabi, c'est que il y aurait dans les cultures non occidentales, alors dans les cultures du Maghreb, les cultures musulmanes, un sens qui serait plus métaphysique, avec une dimension matérielle qui serait moindre. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ça vaut ce que ça vaut, hein. On n'est pas des spécialistes, on n'est pas des sociologues, mais voilà, qu'est-ce que vous en pensez, Cédric? Mais je ne sais pas si c'est, parce que quand on dit moindre, on est en train de quantifier, de comparer des quantités. Je ne sais pas si c'est au niveau de la quantité plutôt qu'au niveau du rapport entre fin et moyen. J'ai l'impression qu'on peut le comprendre aussi comme ça, c'est-à-dire que en Occident, la technique serait du côté de la fin et la spiritualité ou la métaphysique du côté des moyens, c'est-à-dire que ce serait un moyen idéologique de justifier la technique, justement. Et inversement, en Orient, la fin serait spirituelle et la technique serait un moyen justement d'accéder à cette spiritualité. Ok. Alors, est-ce que vous... Je reprends ce que tu as dit, moi, c'est ça. En Occident, donc nous, on aurait mis la spiritualité et la technique... pardon, la spiritualité et les métaphysiques pour justifier la technique. Et dans les cultures du Sud, enfin, en tout cas, en ce qui concerne l'islam, il y aurait l'idée de mettre plutôt la technique au service de quelque chose de métaphysique. Est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord déjà avec la première partie? Est-ce que en Occident, on serait pris là-dedans, le métaphysique serait au service du développement de la technique?
Ensuite, il y a des thèses, hein, je me permets d'intervenir, mais et non pas seulement en creux, mais en plein. Hein, c'est Max Weber qui avait, je me souviens quand j'étais étudiante, j'avais étudié l'origine du capitalisme. Il montre, c'est un sociologue, hein, qui montre que le développement du capitalisme est lié au développement de la religion protestante. Hein. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont lu cet ouvrage. Il y a des personnes qui l'ont lu. En gros, sa thèse, c'est ça, et c'est que dans la religion protestante, le fait d'accumuler des biens n'est pas du tout vu comme une mauvaise chose, ce qui n'était pas le cas chez les catholiques. Hein. Chez les catholiques, on pouvait enfin, accumuler de l'argent, ce n'était pas bien vu. Or, avec l'émergence du protestantisme, au contraire, ça veut dire qu'on a été élu de Dieu. Et d'après lui, ensuite, ça vaut ce que ça vaut, mais en tout cas, le capitalisme s'est développé sur les racines du protestantisme. Avec cette idée qu'on pouvait produire. Et d'ailleurs, l'exemple qu'il donne de Robinson, c'est vraiment, il est pris dans cette logique à la fois du protestantisme et du capitalisme. On cite souvent Robinson comme une sorte de capitaliste. Il faut qu'il produise, qu'il surproduise même. Donc là, en tout cas, cette idée de Max Weber, elle confirmerait ce que tu dis, Cédric, en ce qui concerne la religion protestante. Hein? Voilà, donc nous, on serait pris là-dedans, on serait prisonniers de cette logique. Alors, qui veut intervenir? Je n'ai pas posé de question, mais allez-y. Vas-y, Nathalie. Je me demandais si à la base, cette accumulation, elle venait pas de la peur de manquer. Oui. Et pour le coup, ça serait pas, enfin, ça serait humain quand même. Ça serait pour que personne ne meure de faim l'année d'après, tu vois, et qu'il faut faire des stocks. Enfin, voilà, je fais des hypothèses à la noix. Ben, on fait toutes des hypothèses à la noix, on essaye, voilà. On verra bien ce qu'il en sort, ou peut-être rien, mais peu importe. Il y avait peut-être du sens quand même à la base et un Voilà. sens humain, tu Donc vois. tu dirais que cette accumulation, Au début. au départ, tout du moins, elle aurait du sens, c'est-à-dire de faire des réserves pour pas être se retrouver complètement démunis. Ok. Bon. Du coup, mais et cette logique-là nous emmènerait ensuite à une surproduction complètement délirante et un culte de l'objet. Et Pas où ça a dérapé. oui, il y a un moment, ça a dérapé, il semble. Hein, donc, bon, il y a plein d'analyses sur le capitalisme, mais auquel. Voilà, alors après. Parce que ça semble un petit peu problématique. Enfin, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Après tout, vous avez le droit aussi de faire l'éloge du capitalisme, hein, ce n'est pas interdit. Là, on ne prêche pas pour une quelconque école. Mais qui voit un problème dans notre fonctionnement, on va dire déjà occidental, qui voit des problèmes dans le fonctionnement occidental. Oui, Anan? En fait, je pense que le fond du problème, c'est que on n'a pas eu, enfin, en Occident, on n'a pas le même rapport avec la religion que en Orient, même actuellement. C'est que les conflits religieux, on a quand même eu des décennies, enfin des siècles de monarchie où l'Église a quand même plombé, voilà, les guerres, enfin tout ce qu'on connaît, hein, l'État féodal jusqu'à la monarchie absolue, etc. Ou surtout en France où là, on a vraiment fait table rase, on a vraiment, je veux dire, presque jeté l'Église et Oui. remis d'autres socles. Ce qui fait que, donc, on a comblé ce vide par autre chose que par ce que nous proposait l'Église, parce qu'on en voulait plus. Mais en Orient, enfin, ou en Algérie, là, ou enfin, le pays de l'auteur, c'était pas le cas. Il n'y a Oui. pas eu cette confrontation. Il y a eu plutôt, enfin voilà, avec l'Empire ottoman qui est arrivé, donc l'islam s'est installé et y est resté finalement, où il y a eu un apaisement, où voilà, la civilisation s'est construite avec la religion. Et ce qui fait que ça a prédominé dans cette relation-là. Alors, je vais essayer de Donc, résumer. Je vais essayer de résumer ce que tu dis. Hein, je m'entraîne à résumer aussi. C'est-à-dire que en Occident, on a vraiment été soumis à des guerres de religion extrêmement violentes, justement, entre les protestants et les catholiques, entre autres.
Et que l'avènement il semble que l'avènement du capitalisme nous est sorti de ces conflits religieux. Alors, c'est pas forcément pour le mieux, mais voilà. Et que ça s'est pas produit en Algérie, par exemple, ou au Maghreb. Hein. Est-ce que ça va comme est-ce que je reprends ce que tu dis déjà, Anan? Oui, c'est ça. Hein. Oui. Donc, on n'est pas face au même problème, en fait. Non, on n'est pas face au même Nous, problème. on est face à un problème. Oui, et ça serait quoi le problème pour les Occidentaux? Et ça serait quoi le problème, si on Ben, peut. le rapport à dire le rapport au cosmos, au divin, au spirituel, au métaphysique, est un peu plus compliqué à aborder que qu'en Orient. Ou Oui. c'est très simple à l'aborder et il n'y Oui. a pas de voilà. Là, tu dirais le problème en Occident, c'est justement ce rapport à la métaphysique, quoi, au Oui, cosmos, c'est à la très complexe. métaphysique. Oui, oui, Voilà. oui. On a un problème avec ça. Hein. Oui. Alors, est-ce que vous êtes d'accord ou bien parce que parmi vous, il y a des personnes qui sont athées. Hein, donc ici, on a le droit d'être tout ce qu'on veut, on peut être tout ce qu'on veut, qui ne seraient pas d'accord. Hein, donc, ensuite, on peut être athée et accorder de l'importance à la métaphysique aussi. Hein. Donc, en tout cas, est-ce que vous pensez qu'en Occident, il y a ce problème par rapport, on va dire de façon très large, à la métaphysique, pas seulement la religion, mais nous, on a un problème avec ça. On aurait nié cette dimension de l'existence humaine. Qu'est-ce que vous en pensez, Antoine? Ben, moi, je suis un peu surpris parce que avec tous les philosophes que nous avons eus en Europe qui ont abordé ces sujets, on ne peut pas dire qu'ils ont été abandonnés, quoi. D'accord, donc ces Il questions-là. y a eu, il y a eu, il y a eu en même temps, en fait. Je pense pas que ce soit ça. C'est difficile à comprendre cette différence que l'auteur semble mettre entre l'Europe et l'Orient. Mais là, il met des différences très frontales qui Oui, sont mais vraiment. Qui je vont suis surpris titiller notre ego. parce que justement en Europe, Oui. Mais est-ce que c'est. Peut-être qu'actuellement, peut-être qu'à partir des années 70 ou 80, les années 80, le néolibéralisme anglo-saxon a fait du dégât. Moi, je dirais, qu'est-ce qui justifie la vision dite européenne ou occidentale versus celle du Moyen-Orient? Je sais pas. Ben voilà, ben c'est ce qu'on cherche. Est-ce que ça a du sens d'ailleurs de distinguer Moi, je reviens donc à l'époque andalouse, quand les musulmans avaient Attends, conquis, Antoine, non? ouais, attends, je t'interromps, mais il Oui. faut que peut-être on a du mal à. Il y a un problème, il semble qu'il y a un problème, on a du mal à le formuler, quoi. Quel est ce problème? Entre des cultures, et il y a des cultures différentes qui sont différentes, c'est sûr que la culture occidentale et la culture musulmane sont différentes. Ça va si on dit musulmane et occidentale, peut-être que ça va pas non plus. Hein. Je peux dire Et en tout cas, il y a des, on quelque voit qu'il chose qui me y a vient, des, il y a des problèmes qui me vient à culturels, mais il l'esprit. faudrait arriver à formuler le problème. Oui. Alors lui, il le formule en tout cas en disant qu'il y a vraiment des oppositions dans des visions. Existentiel, hein? Alors, c'est très clair comme il le dit. Nous, en Occident, on serait obnubilés un peu par les objets au détriment de la métaphysique. Et puis, bah, ça serait l'inverse dans l'autre culture. Est-ce que ça va le formuler comme ça? Est-ce que vous voyez un problème? Qu'est-ce que vous en pensez, là, les autres aussi? Parce que c'est vrai que. Est-ce que vous voyez, est-ce qu'il y a vraiment un problème entre ces cultures? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, Nathalie.
Je ne sais pas si c'est entre les deux cultures, mais dans les exemples qu'ils donnent dans les deux mythes, je dirais qu'il y a eu la notion de temps qui est très importante. Et dans le Robinson, on voit qu'en fait, il est rivé au temps et qui, je ne sais pas comment dire, c'est comme s'il voulait capturer le temps, quoi. Oui, mais oui, mais oui. Alors que dans l'autre mythe, ben, il se rend compte qu'il y a la mort et que le temps, on veut pas le. Ben, il nous échappe, quoi. Fin. Ah, donc, Alors bon, après, c'est peut-être pas lié aux deux civilisations, mais je trouvais que ça, il y a c'est un rapport de au temps qui est peut-être différent. différent. Et ça a été formalisé aussi dans le fonctionnement du capitalisme. Le temps, c'est très important. Une heure de travail, Ouais, c'est une heure de travail. C'est là qu'on s'est mis à mesurer le temps, hein, parce que il n'y avait pas d'horloge avant Oui, le 19e. ou le taylorisme et tous ces trucs-là, Et oui, le il faut rythme la petit à cadence, ouais. petit, le temps, alors que le rapport au temps n'est pas tout à fait pareil. Il me semble plus on descend vers le sud, plus le rapport au temps change. Hein. Et nous, on est complètement crispés, on est à 5 minutes près. Alors c'est pratique, hein, on a dit qu'on faisait l'atelier à 20 h, voilà. Mais ensuite, ça permet aussi le développement de la société capitaliste. Donc, une culture avec un rapport au temps, rapport aux objets, une culture où le rapport au temps, enfin, vous me dites, hein, si vous n'êtes pas d'accord, ou n'est pas tout à fait le même, on est beaucoup moins crispé sur le temps, parce que justement, l'idée n'est pas avant tout de produire, quoi. Donc là, il y a bien des différences. Hein. Alors, est-ce que. Puis nous, on cherche à réfléchir, il me semble, d'un point de vue humain qui nous réunit. Alors, est-ce que ces différences. Après, produisent des obstacles à l'humanité. Bachir. Peut-être pas obstacle, mais j'ai vu une fois dans un documentaire donc une Française mariée à un Algérien ou à un Maghrébin. Donc elle veut tout planifier pendant les vacances et lui, il n'en est pas question. Ça, je le comprends très bien parce que pour nous, Ah mince, ça coupe, Bachir. Ah. Bon. Eh ben, ouais. Allô? Ah, ça a coupé un moment. Donc, on en a juste entendu dire un couple, le marié algérien et la femme française, c'est ça? Voilà, ou maghrébin. En tout cas, la femme a exprimé son étonnement par rapport au fait qu'il ne voulait pas planifier les vacances de façon détaillée, 9 h, 10 h, 11 h, qu'est-ce qu'on va faire? Et moi, je le comprends très bien parce que c'est vrai qu'il est très difficile pour nous de concevoir cette façon de faire pendant les vacances, du moins. Oui, c'est-à-dire que c'est peut-être le rapport au temps tel que nous on l'établit, il est pratique, hein, très pratique, mais après ça devient complètement prégnant dans nos fonctionnements. C'est là qu'il y a un problème, peut-être. Hein. C'est bien de s'organiser pour le travail, mais si on le met dans toute notre vie, ouais, peut-être là justement ça peut nous empêcher de laisser une place au spirituel aussi. Il y avait Laila qui a levé la main 2 fois là. Ah, ok, j'ai pas vu Laila. Oui, vas-y, Laila, merci Antoine, vas-y. Merci Antoine. En fait, j'ai l'impression que aussi bien pour le temps que pour la question d'accumuler par exemple les objets, il y a derrière une volonté de contrôler. Et à partir du moment qu'on contrôle et qu'on a déjà contrôlé, ça y est, c'est fini. On n'a pas besoin d'aller plus loin. Alors que éventuellement par rapport à des cultures du Sud ou du Maghreb, il est tout à fait concevable de ne pas pouvoir contrôler. Il n'y a rien d'inadmissible. C'est-à-dire que c'est un principe qui est parfaitement assimilé et accepté. Et c'est parce qu'on ne contrôle, on ne contrôle pas. C'est ça qui va pousser à aller chercher un sens à quelque chose qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne comprend pas. OK, donc t'es En là fait, cette hypothèse, ça serait ça l'hypothèse, oui. qui fait que dans le sud, on aura envie d'aller un peu plus loin que l'objet, que le temps, et
Et d'ailleurs, dans le par rapport à l'exemple du temps, j'ai très envie de partager que vous avez l'heure et nous, on parle encore de le temps de l'après-midi, le temps de la soirée. C'est pas l'heure, c'est pas 8 heures, c'est le temps. Et Donc, et même pour la prière, c'est un temps. Même s'il y a un horaire, mais en fait, c'est un temps. C'est Oui. le temps de la prière de midi. C'est comme ça que ça s'appelle en arabe. Ce n'est D'accord. pas l'heure de la prière qui se fait à midi. C'est D'accord. le temps. C'est comme ça qu'on l'appelle en arabe. On dit c'est le temps de la prière, on dit pas c'est midi. Non, exactement. Même s'il y a, on sait que pour la dernière prière, c'est 21h13, mais en arabe, on va dire waqt, le temps D'accord. de la dernière prière. On ne va pas dire l'heure de la Oui, parce prière. que nous, on a l'heure précise. Voilà. Ok, donc en tout cas, le concept que tu as introduit qui me semble intéressant et peut-être important, c'est le concept de contrôle, quoi. Hein? Nous, on est dans des cultures où le contrôle est très important et on n'admet pas qu'on n'ait pas le contrôle. Et or, peut-être il y a des cultures où on accepte, tu vois, ça serait la grande différence que tu ferais, des cultures, on accepte qu'on n'a pas le contrôle. Hein? C'est ça? Ça va comme. Bachir, ça te va comme distinction ou pas? Je voulais faire une petite remarque, si c'est possible. Oui. Je trouve quand même, je trouve que c'est amusant parce que je crois que celui qui a inventé l'horloge est un Marocain, un certain Hassan Marrakchi. Je vous donnerai la prochaine fois la date exactement, à quel moment il a inventé l'horloge qui divise justement la journée en 24 parties. D'accord. Mais voilà, alors ça n'a pas obnubilé après de s'occuper de cette horloge. Ah, non, mais, voilà, c'est intéressant. Moi, j'habite dans le pays des horloges aussi, tout près de la Suisse, là, et tout le monde fait des horloges dans ma région, là. Et N'a pas eu grand impact sur nous. ça a obnubilé complètement l'Occident. Donc, et ce rapport de l'idée de contrôler ou de ne d'admettre qu'on ne contrôle pas, est-ce que vous voyez un lien avec la métaphysique, justement? Si vous voyez un lien, quel est-il? Bachir? À partir du moment où on croit qu'il y a une force plus grande que nous, on peut céder notre vie à cette force-là, tout simplement. Oui. Au moins une partie. Donc, c'est quoi le rapport avec le contrôle, du coup? Ou le non-contrôle? Tel qu'on le vit, en tout cas, tel que je le vis en tant que musulman, il y a des choses qui sont hors de mon contrôle et je sais et je crois, c'est une croyance, que c'est du ressort du bon Dieu, c'est du ressort du destin, etc. Donc tout ça, je m'en inquiète pas. J'essaie de ne pas m'en inquiéter. Hein, donc ça, pensée religieuse, c'est hors de mon contrôle, mais malgré tout, je pense que ça relève de la puissance divine, c'est ça? Hein? Ok. Idée qu'on peut, est-ce qu'on retrouve des idées? Est-ce que c'est qui pense que c'est pensable aussi dans le catholicisme, cette vision des choses? Qui pense qu'un catholique ne penserait pas comme ça? Ou est-ce que vous ne le savez pas? Hein, c'est-à-dire l'idée, je sais que tout ne relève pas de mon contrôle, qu'il y a une force supérieure, voilà, en laquelle je fais confiance, c'est ça, Bachir? Hein? Et donc j'accepte de ne pas tout contrôler. Est-ce que vous pensez, qui pense qu'un catholique peut voir les choses de cette manière? Ou alors catholique, on va dire, ou un chrétien, parce qu'un protestant, après, chez les catholiques, enfin comme chez les musulmans d'ailleurs, il y a plein de courants, mais. Bon, en gros, chez un catholique ou un chrétien pourrait voir les choses comme ça. Sauf que, évidemment, nous, on est dans des sociétés beaucoup moins religieuses, quoi. Hein? Donc, est-ce que le contrôle, est-ce que l'homme occidental et la femme occidentale se pensent pouvoir contrôler davantage? Qui pensent que oui, qu'on est plutôt avec l'idée qu'on contrôle, quoi. Hein? En Occident. Hein. Et est-ce que vous auriez des façons de prouver ça? Bon, ça reste un peu hein, de donner un argument ou un exemple qui montre qu'on a plutôt tendance à penser qu'on contrôle.
qu'on veut contrôler. Alors. Oui, Béatrice? On a tendance à porter la responsabilité sur l'individu, comme s'il était responsable de tout ce qui lui arrive, de sa condition, parce Et qu'il la contrôle. oui, il contrôle, donc il est responsable. Donc c'est ça. Ça illustre cette idée de contrôle en Occident, hein, l'individu responsable. Donc cette société, oui, centrée sur l'individu. Avec, ouais. Ok, et tu avais une autre idée, Bachir? C'est à peu près la même, mais avec Jean-Paul Sartre qui met toute la responsabilité sur la personne. Oui, qui est responsable de ses choix et qui doit les assumer, quoi. Hein? Donc cette idée de contrôle qu'on... Voilà, alors, avantages et inconvénients de ces postures, quoi, peut-être. C'est quoi l'avantage d'admettre qu'on ne contrôle pas? Est-ce qu'en Occident, on pourrait l'admettre? C'est quoi l'avantage d'admettre? Ben là, je ne contrôle pas, c'est une puissance divine ou quelque chose de supérieur à moi qui... Voilà. C'est quoi l'avantage de cette pensée-là? Gaëlle? Ça allège justement du poids des responsabilités, d'une partie des responsabilités, de se dire que des choses échappent et que de toute manière, on n'est pas responsable du fait de ne pas avoir pu les contrôler. Oui. Donc ça enlève un poids. Ça enlève, ouais, ça donne une légèreté à l'existence. Ok. Donc est-ce que ça veut dire que les pensées du Sud ont plus de légèreté ou la culture du Sud a plus de légèreté? Nous, on serait un peu lourd, quoi. Hein? Ben, Peut-être. si cette dichotomie est Oui. vraiment existante, oui. Peut-être. Oui. Ça vous parle? Il y a des... Qu'est-ce que tu en penseras, Beb? Est-ce qu'en Tunisie, on est plus léger et... qu'en Occident? Parce que tu connais les deux cultures, en France aussi. Que je pense, c'est que je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette idée-là, parce que je pense que théoriquement, les gens cèdent une partie, voilà, disent qu'ils ne contrôlent pas, mais réellement, ils contrôlent. Ils sont tous dans le contrôle. Ah, ok. Donc c'est plus complexe que ça. Tu dis qu'il y a quand même du contrôle. C'est peut-être pas de la même manière, mais il y a quand même du contrôle. Je pense, oui. Ouais. Ok. Alors, quel type de contrôle? Hein, parce que nous, on voit bien, c'est contrôle à l'individu qui est censé contrôler sa vie, contrôle peut-être aussi à travers la technique, justement, contrôle du temps, ça c'est très occidental. Mais est-ce que dans les sociétés du Maghreb, par exemple, il y a d'autres formes de contrôle? Dans la vie de tous les jours, je vois les gens qui veulent tout contrôler. Hein, tout, Ok. Et par exemple, quand tu dis qu'ils veulent tout contrôler, ça serait quoi? contrôler les autres, contrôler. Contrôler les autres. Ok, ben oui, parce que peut-être il y a une façon. Les événements. Ouais. Est-ce qu'il peut y avoir un contrôle mutuel bon, mais qui Oui. existe. Ouais, hein, contrôle mutuel. Vous auriez des exemples de façon dont on peut se contrôler mutuellement au Maghreb, par exemple, alors c'est peut-être pas pareil en Tunisie, au Maroc, en Algérie, je ne sais pas. Bachir? Quand tu dis mutuellement, ça veut dire entre des personnes ou j'ai pas Oui, compris. peut-être un contrôle social, en fait, c'est une hypothèse que j'ai. Est-ce qu'il y a un contrôle, quel type de contrôle social il peut y avoir? Bon, chez nous aussi, hein, il y a du contrôle social, mais c'est peut-être pas de la même manière. Oui, Bachir. Oui, je pense que
au Maghreb, nous sommes des cultures très communautaires et très traditionnelles, donc dans lesquelles le contrôle est omniprésent et tout le monde l'exerce pour perpétuer les traditions. Et oui, hein, donc il y a une sorte de contrôle du groupe, hein, qui est fort sur l'individu, du coup. Et là, on ne fonctionne pas du tout pareil. Et nous, c'est l'individualisme, avec le risque de l'éclatement, de l'isolement. Et il me semble qu'au Maghreb, c'est le contrôle du groupe avec tout ce qu'il peut y avoir. Et ça a des avantages et des inconvénients des deux côtés, hein. Parce que avantages et inconvénients d'une société plus centrée sur l'individu, qui pourrait les formuler? Répéter la question. Avantages et inconvénients d'une société centrée sur l'individu, donc comme chez nous, quoi, en Occident. Nathalie? Peut-être plus de liberté, mais moins d'entraide. Oui, hein, plus de liberté, mais moins d'entraide. Quelqu'un verrait autre avantage et inconvénient, à part plus de liberté et moins d'entraide. Oui, Bachir? Tout est permis, mais rien n'est possible. Tout est permis, mais rien n'est possible. Alors, tout est permis. Est-ce que c'est vrai que rien n'est possible? Non, c'est Clouchkar, je crois, qui dit Oui. ça. Ah oui. Bon. Après, il y a un certain nombre de possibilités, mais voilà, moins d'entraide, mais plus de liberté. Et est-ce qu'on peut dire que c'est l'inverse au Maghreb? Plus d'entraide, mais moins de liberté, parce qu'on est davantage surveillé par le groupe. Ouais. Et oui. Donc voilà, il y a deux modèles différents. Bon, les deux ont du sens. Et maintenant, bah, qu'est-ce qu'on peut faire qu'on a observé ces distinctions? Voilà. Est-ce que ça nous éloigne ou est-ce que ça nous rapproche parce qu'on a quand même quelque chose en commun, c'est qu'on est tous humains? Donc, est-ce que ces différences-là nous éloignent ou nous rapprochent? Nous rendent à... Il y a plein de discussions là, c'est bien d'arriver à discuter sans s'engueuler, mais quand on allume la télé ou qu'on regarde sur les réseaux sociaux, ça y va fort dans la violence et les séparations. Ouais. Alors, est-ce que ces distinctions nous rapprochent ou nous éloignent, Antoine? On va prendre le sujet de plus grande actualité où on a une confrontation qui est terrible au Moyen-Orient, hein, Mais oui. avec une civilisation qui sera une société qui va plus à l'occidental qui est Israël face à une civilisation qui est beaucoup plus centrée sur les gens, sur les valeurs plus humaines et ils n'arrivent pas à s'entendre. Et oui, donc là, alors est-ce C'est que... bon, il y a d'autres enjeux là-dedans Oui, il y a et peut-être d'autres enjeux, mais ouais. En c'est tout cas... extrémiste, on va dire, mais c'est une confrontation. Donc, est-ce que ces confrontations, c'est ce qu'on observe, hein, est-ce qu'elles sont liées à des façons de voir qui sont absolument incompatibles ou vous pensez que le problème, il est autre que ça, quoi? Autrement dit, est-ce que les problèmes sont liés à des façons de voir qui sont trop différentes, qui pensent que c'est ça ou qui pensent que c'est autre chose, le problème réside ailleurs? Laila? Je ne sais pas si j'ai bien compris ce que tu entends par Ma question, c'est qu'on vient la façon de faire. de voir qu'il y a deux modèles de façon de voir qui sont quand même très différentes. Et est-ce que ça peut, c'est un obstacle à vivre ensemble, à se comprendre, ou bien au contraire, enfin, c'est pas un problème, quoi. Ben, moi, je crois que c'est un obstacle parce que on essaie de comprendre l'autre à travers sa propre grille de lecture. Et ça ne convient pas du tout. Donc, mais je ne sais pas s'il y a un moyen de pouvoir sortir de sa propre grille de lecture pour essayer de comprendre l'autre. Je crois ça très, très difficile, aussi bien d'un côté que de l'autre. Eh oui.
Et donc, je ne sais pas comment faire pour ne pas regarder l'autre ou essayer de le comprendre à travers sa propre grille de lecture, qui ne convient pas à l'autre de toute façon. Alors, oui, est-ce que ça convient? On a vu que dans les deux cultures, il y a des avantages et des inconvénients, quoi. Les deux ont du sens. C'est sûr que c'est pas pareil. Alors, toi, tu dis, on va lire l'autre à travers notre grille. Ça va être vraiment très difficile de le comprendre. Enfin, Oui, peut-être même. parce que ça va être biaisé. Mais oui, c'est biaisé par notre Parce regard. que ça va être biaisé quand l'autre n'est pas n'a pas le même rapport au temps et que pour lui, la question d'arriver pile à l'heure, c'est pas un enjeu vital. L'autre qui est vraiment scotché sur un Suisse, il va pas du tout comprendre parce que pour lui, le temps, c'est quelque chose de très sacré. C'est à la minute près. Et donc déjà, ils partent sur de deux endroits totalement différents. On prend l'exemple du temps, on a dit l'exemple de l'individualisme aussi. Moi, j'ai remarqué que quand je vais au Maghreb et que je dis qu'on met les personnes âgées dans des maisons de retraite, ça semble vraiment très étonnant, quoi. Parce que justement, c'est l'individualisme. On ne s'occupe pas de nos vieux parents, hein, on les met en maison de retraite. Et donc là, c'est des façons de faire qui sont. Puis l'idée de entre l'individualisme et le groupe, on a parlé du temps, individualisme. Il y a plein de différences. Alors pour vous, est-ce que vous êtes d'accord avec Laïla? C'est vraiment des obstacles presque insurmontables ou vous pensez que ça n'est pas insurmontable, Béatrice? Moi, j'ai l'impression que ça dépend de l'enjeu quand même, parce que on peut s'observer, être curieux de l'autre, essayer de le comprendre, d'être à sa place. S'il n'y a pas un enjeu de pouvoir derrière, mais dès qu'il y a un enjeu de pouvoir, là, il faut choisir qui va décider, qui va. Et c'est là que ça commence à poser un problème. Ouais, il y a un enjeu. Ouais. Et Cédric, tu levais la main, c'était. Oui, parce que je pense que la coexistence est quand même possible, et même le dialogue, à partir du moment où on parvient à se mettre d'accord sur un certain nombre de valeurs universelles. Voilà, tu disais tout à l'heure, Laurence, qu'on a quand même en commun, quel que soit, voilà, qu'on soit d'Occident ou d'Orient, on a quand même en commun cette humanité qui nous rassemble, et sur le fondement de laquelle on va pouvoir trouver des valeurs universelles, alors qui sont à définir en commun, évidemment, parce que le problème, c'est que d'un côté, on érige en universel des valeurs qui sont propres à sa culture et qu'on veuille les imposer aux autres. Mais si dans le dialogue, on parvient à se mettre d'accord sur des valeurs, je pense qu'il est possible d'échanger. Et des valeurs universelles, on en a. Là, je pense que c'est un peu caricatural d'opposer spiritualité d'un côté et matérialité technique de l'autre. Parce qu'une spiritualité, il y en a des deux côtés. Voilà, juste une petite phrase à laquelle je pense à travers ce texte, c'est qu'il y a une phrase des évangiles justement qui dit que l'homme ne se nourrit pas que de pain. Et je trouve que ça fait sens, ça rend un écho avec ce qu'on dit ici, parce que la dimension spirituelle est extrêmement importante en Occident aussi. Et quand on n'a pas cette dimension, on éprouve un manque, justement un vide qui peut être générateur d'un certain nombre de difficultés existentielles. Bon, j'étais un peu long, excusez-moi. Donc, alors, je vais essayer de résumer. Oui, bah, c'est ça. Les valeurs, des valeurs universelles qui pourraient nous réunir, encore faudrait-il arriver à les définir. Et que la dimension spirituelle n'est pas complètement absente quand même de l'Occident. Hein, elle existe aussi. Ensuite, elle a quand même perdu en force depuis un moment. Est-ce qu'il faut le regretter ou pas? En tout cas, on pourrait définir des valeurs communes. Et puis alors, Béatrice, toi, tu disais que quand les enjeux sont trop forts, ça marche plus, hein. La curiosité pour l'autre, ça marcherait plus. OK. Et Anan? Oui, ce que disait Béatrice, c'est pertinent, mais je me dis, est-ce que le problème, c'est pas l'acculturation? Mais oui. Parce que quand même, j'ai une culture, mais j'ai peur que l'autre vienne avec sa culture. En fait, l'acculturation, elle a traversé des civilisations, et le Maghreb, par exemple en Algérie, elle est encore très récente, hein. L'indépendance est en 62, et cette acculturation a causé quand même, a été très, très Et oui.
voilà, à marquer. Donc, est-ce que c'est aussi une manière de se protéger contre justement cette Et oui, donc là, c'est là qu'il y a des enjeux, hein, c'est quand il y a Ouais. des. Quand le colonialisme, la guerre, et là, les enjeux, ils arrivent, là. Oui. Et donc, là, ce que tu dis, c'est que oui, il y a une forme d'acculturation qui rend le dialogue difficile, puisque justement, les cultures peuvent plus dialoguer, parce qu'il y en a une qui a été opprimée par l'autre, quoi, c'est ça, hein. Oui. Oui, puis c'est. Et donc là, il y a un gros problème, et c'est peut-être cette idée de ce que tu disais de post-culture, là, Bachir. C'est ça, c'est que comme il y a une acculturation, bah, il faut retrouver une culture qui puisse rentrer en dialogue, quoi, c'est ça? Eh oui. Oui, c'est une idée. Je sais pas, moi, je me suis intéressé à cette question sur le plan managérial et je sais pas ce que ça vaut, mais on parle d'une compétence interculturelle. Plus on rencontre des gens, plus on habite dans des zones qui accueillent des touristes, par exemple, ou qui a des échanges avec les autres cultures, et plus on a cette compétence interculturelle. Ça veut dire que ça peut s'acquérir. Okay. Oui, parce que quand tu parlais des enjeux, Béatrice, et on voit qu'il y a des gens qui ont des craintes de perdre leur propre culture. Mais il y a des gens qui ont été acculturés, c'est sûr. Mais en France, on voit aussi beaucoup des gens qui disent attention, on va perdre notre culture. Hein. Et une sorte d'angoisse de perdre sa culture. Donc ça peut faire des frictions et des faits qu'on est incapable de se comprendre parce qu'on pense que l'autre veut nous imposer sa culture. Donc, alors. Chacun garde sa culture, peut-être on en serait là. S'il y a une culture qui devient acculturée, là il y a un gros problème. Et chacun garde sa culture, mais est-ce qu'en même temps on peut définir des valeurs communes qui transcenderaient ces cultures? C'était l'idée de Cédric. Est-ce que vous pensez que c'est possible? Après, il y a des moments, ça coince, hein, là, entre les talibans et notre culture. Là, on ne voit pas bien comment ça peut marcher, hein. Mais est-ce qu'il peut y avoir des valeurs communes? Gaëlle? Aussi qu'il y a des clivages qui sont internes aux cultures. Oui. Déjà, parce que là, tu disais les talibans, mais les talibans, ce n'est pas une Bien culture, sûr. Oui, c'est un oui. mouvement politique. Oui, Mais c'est un mouvement voilà, politique. Oui. c'est Oui. donc ils sont peut-être plus près de certains mouvements politiques qu'on peut avoir chez nous Oui. que d'une partie de la population afghane, en fait. Oui, c'est important ce que tu dis, effectivement, parce que tout ça, ça. Oui, il y a des mouvements politiques qui transcendent les cultures et qui peuvent se ressembler étrangement alors qu'ils s'opposent d'ailleurs. Oui, c'est ça. C'est Oui. qu'on peut trouver plus de ressemblances des fois entre deux visions politiques de deux cultures différentes qu'au sein de la même culture. C'est Eh le oui. cas quand on prend des mouvements extrémistes, par exemple, où on peut leur Oui. trouver des, on peut plus trouver plus de ressemblances entre les extrémistes hindous et les extrémistes bah, chrétiens et musulmans qu'on va en trouver au sein des Eh oui. musulmans, au sein des hindous, au sein. Voilà. Oui, donc là, on en vient à questionner les mouvements politiques qui viennent s'intégrer aux cultures, quoi. Et c'est là que ça coince aussi, quoi. Ouais. Oui. Nathalie. Je me demandais si finalement c'était pas ben justement le côté rationnel, mais dans le genre pas objet, mais le côté vraiment matériel, terrien, qui pourrait mettre tout le monde d'accord. Parce que je me dis, enfin, à chaque fois devant les limites planétaires et tout ça, il va falloir revenir à du concret, Oui. malgré nous, parce qu'on dépend quand même. Une planète. Il faut qu'on boive, il faut qu'on mange, et voilà, et que peut-être
C'est un retour à de quelque chose de concret qui pourrait nous mettre d'accord sur des valeurs. Oui. Alors ça, c'est pas spirituel. Alors, est-ce que ça... Là, tu parles en occidental, hein? Non, je parle en terrien parce que, enfin, tu vois. Mais est-ce que ce qui peut, parce que c'était la question de Cédric, qu'est-ce qui nous réunit? Est-ce que c'est l'idée qu'on prend soin tous ensemble de finalement de notre planète qui appartient à tout le monde? Ce serait un peu ton idée. Et de nous-mêmes, oui. De l'humanité, mais bon, ouais. On n'a pas l'air d'en prendre le chemin. Non. Il y a des mouvements politiques dont parlait Gaëlle aussi qui vont se mêler à ça. Ou bien, alors, est-ce que ces valeurs, est-ce que vous pensez qu'elles doivent partir de, finalement, on doit partir du fait qu'on doit vivre en commun sur cette planète, ou est-ce que ça, c'est plutôt des valeurs spirituelles ou des valeurs humanistes? Que pensez-vous de ces valeurs? Alors, donc là, il y a trois personnes. Je donnerai la parole à tous les trois. Vas-y, Laïla, pour commencer. Je voudrais juste dire à Nathalie que la préservation de la Terre, ça, ce n'est pas une préoccupation matérielle, elle est spirituelle, vue du Sud, en fait. C'est vrai, oui. Et Ok. la modération, la juste part, le partage, ce ne sont absolument pas des valeurs matérielles, elles sont plutôt spirituelles. Donc, peut-être qu'on devrait déjà régler. Qu'est-ce qui est du ressort du matériel et du Du spirituel spirituel. des deux côtés? Parce que c'est pas sûr que Pas la déjà même. qu'on labellise de la même manière, en fait. Oui, parce qu'en Occident, on a quand même aussi beaucoup divisé la matière et l'esprit, le corps et l'âme. C'est très dualiste. Oui, tout à fait. Alors que ce n'est pas du tout une vision dualiste. Et moi, c'est un peu ce qui m'a un peu gênée dans le texte parce que le technique et, la métaphysique n'est pas du tout, à mon sens, le spirituel n'est pas du tout vide de la technique ou de tel que moi je le comprends et que je le conçois en tant comme habitante, on va dire, du Sud. D'accord. Et ça m'a beaucoup troublée, le texte m'a beaucoup troublée par rapport à ça, en Ah fait. oui, d'accord, parce qu'il fait cette opposition, alors qu'on pourrait dire que prendre soin de son outil ou prendre soin de la terre ou de son jardin, c'est spirituel, c'est ça? C'est très spirituel. On peut le concevoir comme ça, hein. Chez les bouddhistes, il y a ça aussi d'ailleurs. Ok, d'accord. Donc ces valeurs communes, du coup, il faut déjà qu'on s'accorde qu'est-ce qui est spirituel, qu'est-ce qui est matériel. Est-ce sur les valeurs communes, autre chose, Antoine? Mais les besoins. On a tous des besoins. Il y a des besoins universels, le besoin d'appartenir, le besoin d'être respecté, le besoin d'être aimé, le besoin de... D'accord. C'est de chaque être humain les a. Donc Et ça. à partir du moment où on est à l'écoute des besoins des autres et pas auto-centré sur simplement ses besoins, ben on va s'ouvrir Donc, il aux autres faudrait civilisations, aux autres cultures. permettre à chaque humain de pouvoir satisfaire un certain nombre de besoins fondamentaux. Ben c'est fondamental, je veux dire, la santé. Quand on prend des... Tiens, aujourd'hui, c'était la journée. Je ne sais pas si vous le savez, mais c'est la journée mondiale des toilettes. D'accord? Les besoins. Aujourd'hui, le 21 novembre, non, le 20 novembre, c'est... Mais on peut le porter loin parce que ce besoin de propreté et d'avoir est essentiel pour tout être humain, quoi. Et l'impact, moi j'ai découvert l'impact que ça a aussi sur la planète. Hein. Donc là, Alors c'est pas spirituel, hein. oui. Quoique, Mais peut-être, hein, mais bon. En tout cas, l'idée de valeur, que chaque être humain puisse satisfaire à ses besoins, bon, voilà, ben là, il y a du boulot aussi. Hein. C'est un ben peu... surtout que juste, je fais un aparté, mais vous connaissez tous la communication non violente qui se base justement Sur les besoins. sur arranger les conflits à partir du moment où chacun exprime ses besoins et se met d'accord, quoi. Ok, bon, alors donc, autre chose sur les valeurs, donc les besoins, le spirituel, le matériel, Cédric.
Ouais, je voulais revenir sur une idée que j'ai trouvée très intéressante de ce que disait Laïla tout à l'heure, puisque je disais qu'il est important de se mettre d'accord sur des valeurs communes, mais au fond, ce que disait Laïla, c'est que on peut finalement travailler dans le même objectif, curieusement, en ayant des valeurs différentes, parce que d'un côté, Nathalie disait tout à l'heure, il faut préserver la Terre parce que notre survie en dépend pour des raisons matérielles, et Laïla disait préserver la Terre parce que y a un enjeu spirituel. Et donc, sur la base de deux valeurs différentes, on pourrait travailler dans le même objectif. C'est étonnant. Ok, ouais. Est-ce que ça vous va, l'idée de Cédric? Parfois, ça peut se rejoindre. Hein? Ça se rejoint peut-être pas toujours, mais là, ça peut se rejoindre. Qu'est-ce que vous en pensez, Béatrice? Pour revenir sur ce que Nathalie disait, j'étais étonnée de qu'elle pense, enfin qu'elle montre qu'on peut se rejoindre par du matériel, parce que j'ai l'impression que le spirituel rejoint aussi énormément les croyants entre eux se comprennent parce que justement ils ont cette part de spiritualité qui est développée. Moi qui suis croyante, j'ai plus de facilité à comprendre la vision du monde d'un autre croyant, même d'une autre religion, plutôt qu'un athée qui frontalement rejette la spiritualité ou la religion. D'accord, donc les valeurs spirituelles permettent de se reconnaître entre soi, mais alors c'est toujours le problème, c'est que du coup, on est entre nous et souvent on est contre l'autre qui ne Non, partage pas. c'est pour dire, parce que tout à l'heure, Nathalie disait, on pourrait se rejoindre autour d'une nécessité matérielle qui nous concerne tous. Mais toi, tu parles de plutôt, tu dis que la spiritualité, d'ailleurs, c'est l'étymologie du mot religion aussi, c'est ce qui nous relie, quoi, nous relie. Donc, qu'est-ce qui nous relie? Est-ce que c'est la spiritualité? Est-ce que c'est les besoins? Est-ce que c'est, voilà. Bon, ce que je vous propose, on va s'arrêter hein, avec cette question. Hein, donc, on poursuivra la réflexion. Donc la semaine prochaine, Cédric va nous parler d'un philosophe camerounais avec certainement des problématiques très différentes, je crois. Hein. Une vision très différente, c'est ça, Cédric? Ah oui, parce qu'en l'occurrence, il est athée, donc Ok, c'est boum. déjà du point de vue de ce principe-là, on a une vision du monde qui va être différente. Ok, bon, bah Mais il voilà. aborde aussi la question de la technique, donc on va retrouver quand même des Des thèmes. thèmes communs. Ok. Et après, dans 15 jours, Bachir, à nouveau, je ne sais pas si c'est sur Benhabi ou un autre philosophe, mais voilà, c'est en tout cas Bachir qui fera à nouveau une présentation. Bien, et ben bonne fin de soirée et à bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Bonne soirée.